Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Were Here Forever. On est toujours avec Damned, salut Damned. Salut tout le monde! On venait de se faire une petite session sport et on va pouvoir continuer avec une cinématique. Tout à fait. Ok, disons un chargement plutôt qu'une cinématique. Là, il est là! C'est bizarre, je l'ai vu aussi. Ah ouais, mais non, mais d'accord, ok. Parce que la dernière fois, c'était toi qui étais arrivé là. Et en fait, il y avait le mec qui était caché derrière les chandelles, mais c'était moi qui l'avais vu. C'est juste que t'avais pas dû regarder encore de ce côté-là. Et du coup, je m'étais lancé dans une poursuite endiablée. C'est parti. Bon, alors, spoiler, on le rattrape pas, hein, y a pas moyen. Pas faute d'avoir essayé. J'ai souvenir d'un signe hyper motivé à le retrouver. Ouais, j'avais hurlé, je m'étais lancé à sa poursuite. En passant devant toi, qui avait rien compris à ce qui s'était passé. Non, je ne tomberai pas. Bon. Allô, je. Ok. Je me galère. Par contre, une fois dans les labyrinthes, on voit que Damned gère mieux que moi. Hein. Ah oui, t'es effectivement à la traîne. Disons que je visite les cul-de-sac. Ah oui, bah c'est ce que j'avais fait moi l'autre fois. Pas du tout flippant. Non, c'est bonne ambiance. Receiving you in this state. I would have cleaned, but these bonds cannot be broken. Only my king can set me free. Penance! He calls this penance! I say he's proving a point. Do you hear? His soul is merged with the keep. All you see, my king is. And my king sees all he is. And yet, he sees you not. Isn't that delightful? Your greatest gift is being utterly unremarkable. So unlike myself. So practical. Now, in you go. Très bien, nous sommes donc dans la boîte à musique. Et plus précisément, on est exactement à l'endroit où on s'était arrêté pour notre tournage, donc maintenant c'est 100% exclusif, on sait pas du tout ce qu'il faut faire. Exactement, donc moi déjà, il me semblait qu'on était arrivé ensemble la dernière fois, et là je te vois pas, ou t'es peut-être déjà parti. Bah il me semblait aussi, mais pourtant je te vois, t'es en face, moi je suis loin là-bas, je sais pas si tu me vois. Exact, je te vois, t'es au 5, t'as un 5 sous toi.
Ouais, ça me fait une belle jambe. Et moi, je suis au 1. Ok, si tu peux progresser, vas-y, moi je... Alors... T'as basculé ? Bah, j'arrive au 1, donc je prends le portail, j'arrive à la sortie du 1, et là je peux prendre le 2, et j'ai une petite manette, mais je sais pas ce qu'elle fait. Si, regarde, elle m'a ouvert l'accès, là. Nice, tu peux arriver au 6 du coup. Et moi je peux te faire ça normalement. Ah mais tu peux pas y descendre, ok. Ouais mais mets-le quand même hein, parce que du coup toi tu vas pouvoir te bouger et moi je vais prendre le portail pour aller au 2. Allo allo Roger, tu m'entends? Oui, je te disais si tu prends... Toi ça donne quoi? Je te disais active-le parce que moi j'ai pas besoin de redescendre, c'est là d'où je viens. Et moi je vais pouvoir prendre le portail pour aller au 2. Ah oui c'est bon, ok, bah vas-y. Je suis en bas. Alors, toc. Ah, et bah du coup, ouais, ça m'a débloqué le chemin là, donc c'est bien, j'avance. Mais je suis coincé après. Alors, il y a aussi le vert, donc si tu réactives, ça bouge un truc. C'est bon, je suis au 3. Et je peux éventuellement monter jusque là. Mais ça me bloque, donc par défaut, je vais plutôt essayer de prendre le 3, je pense. Pas tout à fait ce qu'il faut faire, mais... Ah non, ça sert à rien, j'arrive juste au-dessus en fait, donc non, je pense qu'il faut que je continue de monter. A mon avis, ce qu'il faut faire, c'est réussir à arriver jusqu'en haut d'une manière ou d'une autre. Toi, si tu prends ton portail, ça t'amène où? T'es au 6? Là, je suis au 6, ouais. Mais je suis bloqué, hein, je peux rien faire. C'est quoi qui te bloque? C'est du rouge? Oui. Alors du coup moi je peux monter jusqu'en haut et j'ai une manette verte, j'essaye. Je crois que ça donne rien. Attends. Ça bouge des trucs chez moi mais pour le moment... Non là c'est pas la peine que je redescende, ça me sert à rien, ok. Et si je prends l'autre... Non. Ouais, ça m'auto-bloque, je vois pas trop effectivement l'intérêt. Toc. Oh, faudrait pouvoir faire du rouge, mais le rouge, le problème c'est que toi c'est au niveau du dos, tu peux pas y revenir à chaque... Tu peux pas y revenir à chaque fois, quoi. Quoique... Si, t'es peut-être obligé de revenir en fait... Ouais, c'est bizarre. Tac. Vas-y. Donc là, cette fois, si tu prends le 6, je t'active ça. Non. T'es bloqué par du vert, donc il faut que tu réactives le vert. Et là tu vas pouvoir monter jusqu'au 8. Effectivement, je peux prendre le portail. Et là je suis bloqué par le vert. Et moi du coup je suis aussi bloqué par le vert. Merde. Le problème
problème c'est que si je retourne au vert et que je change les trucs, bah on n'est pas plus avancé. Hein. Si, parce que du coup tu peux me débloquer. Moi j'avais un vert et là le rouge est bien pour te débloquer là. Donc je vais laisser le rouge comme ça. Tu vas me débloquer le vert et moi tout en haut j'arrivais à un vert. Remets-le, le vert. Je pense qu'on peut économiser parce que si j'arrive ici... Ah non, c'est pas le bon, merde, je suis coincé. Là, t'es dans quel état de ton côté? Non, là, t'es pas bien du coup. Attends, je regarde, mais je crois que je suis bloqué. Attends, je dois pouvoir... Non, non, mais... Ouais, c'est bon, je peux me débloquer. J'avais du vert, donc je pouvais te débloquer au pire. Non, là, par contre, c'est du jaune qui me pose, qui me manque. J'arrive avec le jaune. Et re du vert. Non, 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 attends, attends, non, non. Je peux aller très loin, là, attends. Je peux aller au 7 comme ça, on va voir. Ok, là je me retrouve bloqué des deux côtés. Non, t'es coincé, coincé là. Hein. Non, ouais, là je suis complètement coincé. Attends. Là du coup, ouais, je suis recoincé, faut que tu me redébloques le jaune. Que tu peux redonner un coup... Non, tu peux... Bah, j'en sais rien. redonner un coup de vert, tu peux? Ouais, mais du coup, tu reviens sur tes pas, là. Bah non, parce que je crois que là, ça peut... Non, ça peut m'ouvrir un autre espace. Ah non, du vert du coup. Ah voilà. Ouais, il faut que je me débloque le vert. Ok, je suis au 9 et là j'ai accès à du bleu. Est-ce que ça va te donner quelque chose le bleu toi? Alors moi ça me donne rien pour l'instant parce qu'il faudrait pouvoir activer un jaune, mais par contre t'étais bloqué par du bleu toi, donc tu peux peut-être l'activer puis on te fait revenir dans l'autre sens. Ok, mais alors après, parce que je me souviens plus trop. Il faut que tu redonnes un coup de vert, c'est ça? Un coup de vert. Hop. Après un coup de jaune. Et un coup de jaune. Hop. Donc là, t'arrives au 7, et avec le bleu, eh ben, ça ne sert pas à grand chose. Bah, dans le sens où il manque encore un coup de bleu, quoi. Alors, en fait, toi... ouais... Le bleu, c'est c'est vraiment la plateforme finale pour arriver tout en haut. Donne un coup de vert pour voir, toi. Ah non, ça change rien. Il faudrait que je puisse donner un coup de jaune en fait pour que tu puisses monter là-haut et accéder au vert. Puis avec le bleu, je te fais descendre et voilà. On doit pas être très loin, hein, mais. Ouais, mais je cherche depuis tout à l'heure et je vois pas de levier jaune de ton côté en fait. Ah. Là, je suis coincé du coup. Et là, est-ce que si tu m'envoies un bleu, ça marcherait? Non, c'est sur celui du haut, le bleu. Ouais. Ou alors...
Ou alors il me faut du bleu et du vert pour arriver en haut là. Non, en fait le jaune est bien à sa place, il faudrait que je te redébloque du bleu. Si je te débloque le bleu, après via la porte 4, tu peux monter directement jusqu'au vert et même jusqu'en haut. Mais faut que tu puisses revenir sur tes pas quoi. Juste au tout au début en fait. Enfin quasiment tout au début. Attends, il faudrait que tu puisses... Ah ok, donc si tu redescends au 3... Ouais mais c'est compliqué parce que... Il faut que tu fasses descendre... Il faut que tu changes le vert. Ça c'est... Ah non peut-être pas, attends. Il faut que tu redonnes un coup de jaune mais du coup tu vas être bloqué. Quoi qu'il en soit, pour reprendre jaune tu vas être bloqué. Bah oui mais... Je peux te ramener au bleu et puis on voit hein, si de ton côté tu peux faire des choses. Ouais, j'y crois pas trop. Hein. Parce que genre là, t'es descendu, si tu prends le 7, mais si tu vas tout derrière toi dans ton dos là, il y a une plateforme intermédiaire où a priori tu serais genre pseudo coincé, mais il doit certainement y avoir un truc à faire. Il y a un truc qu'on n'a pas fait après, c'est essayer de tourner la manivelle quand t'es sur le truc. Si j'ai essayé tout à l'heure, ça marche pas. Ok. Un coup de jaune hein, pour voir, mais je suis toujours bloqué. Alors attends, je vais activer le vert pour me débloquer et ensuite activer le jaune pour me débloquer et je vais voir si ça me permet pas du coup de revenir par un autre chemin sur le jaune. En fait là le problème c'est qu'ici il faudrait que tu puisses donner un coup de jaune et si tu pouvais donner un coup de jaune là, en fait ce serait bon pour aller jusqu'au bout. Enfin à condition que je puisse aller au bleu, ce qui n'est pas le cas tout de suite mais... Ouais mais t'as pas de jaune de ton côté, donc je pense qu'il faut faire sans jaune de ton côté, tout simplement. Ouais, ce que j'ai cru comprendre. Alors j'aurais bien aimé retourner au bleu, mais je sais plus comment y aller. Tac. Alors attends, retourne au 7. Voilà, ouais, demi-tour, prends le portail du 7. Ensuite descends la grande pente et arrête-toi. Et là, je vais t'envoyer au bleu. Ah, tu prends le portail du 6 et t'arrives au bleu. Ouais, du 9 quoi, mais c'est pas grave ça encore. Ok. D'accord. Et tu peux me redonner un coup de bleu ou pas? Non, tu peux pas hein, ici. Bah non. Bah, je sais pas si tu vois un bleu de mon côté, mais j'ai pas l'impression que j'en ai. J'ai un vert là en haut, mais. Jaune, mais tu peux pas y aller. Parce que là je me verrouille. Fais chier. Tu peux aller redonner un coup de. Ouf, j'en sais rien. Si, attends, Putain, faudrait que je puisse aller donner un coup de vert, moi, mais je crois que je peux pas. On doit pouvoir faire ça. Là, du coup, t'es là... Il faudrait t'amener... Si, tu peux descendre... Ouais, c'est complexe. Et je balance un coup de verre et tu vas pouvoir donner du verre après. Non, descends, c'était bien. Tu vas arriver. Ah oui, attends, j'en mets le jaune. Tu vas arriver sur le 8. Non, derrière toi. Tu descends jusqu'au 8. Ah oui, ouais, mais tu fais beaucoup de manipulations, hein. Je suis pas sûr que ce soit rentable en fait.
Ah oui, d'accord. Ouais, non, en fait, moi, c'était genre un truc facile, tu vois, pour pouvoir après retourner au bleu, mais là, après, c'est fini. Bah ouais, et là, du coup, tu peux descendre jusqu'au 6 et t'arrives sur ton truc vert, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour l'instant. Ok, et toi, t'es là. Mets un coup de jaune pour descendre. Ouais, mais là il nous manque un... C'est putain, il nous manque le bleu du coup. Ouais, donc peut-être que si on te fait remonter pour que tu chopes le bleu, moi je pourrais monter en haut. On met le bleu en position bien là. On refait cette manip là pour que je retourne ici. Et je pourrais arriver là où je suis censé arriver en haut. Je sais pas où, mais. Je suppose, hein. Pour moi, après, ouais, après, c'est... après tant que je peux accéder au bleu après, moi, c'est bon. Mais c'est... je suis pas sûr de pouvoir y arriver. Ah bah... Ouais, je sais pas. Bah... Essaye déjà, on est pas si mal, là, hein. Tu peux... Alors, attends, moi, si je remonte là, j'arrive où? Je vais voir si je peux retourner au bleu tout seul, mais j'ai un doute. Non, non, tu peux pas, il va te falloir un coup de verre. Non, non, mais il va falloir que tu me fasses remonter jusqu'au jaune, ensuite mettre un coup de bleu, ensuite je te fais redescendre et on refait. Ok. Non, c'est là. T'es ouvert là? Hein? Pardon, j'attendais quelque chose parce que tu m'avais parlé de vert du coup, mais bloqué. Non, non, il faut que toi tu ailles jusqu'au vert parce que moi je peux rien faire là, je suis coincé sur mon 3. Ah putain, pardon, excuse-moi, oh là là. Oh le brainfuck! C'est vrai qu'elle est pas mal celle-là. Voilà, là je vais pouvoir accéder au jaune et au vert pour te faire monter jusqu'au bleu. Donc du coup, t'es là. Tac, ensuite... Un coup de vert. Un coup de vert. Le 8... Attends, je vérifie juste un truc. Oui. Coup de jaune. T'arrives au 7. Ça sert à quoi d'arriver au 7? Faut arriver au 9. Non, non, attends, redescends la grande pente. Voilà, je vais te mettre un coup de verre et normalement là tu devrais être bien. Tu vas arriver sur le 9 et tu vas pouvoir accéder au bleu. Ça roule. Ok, donc ensuite il faut que je te ramène au 6. Au 6 qui est là, donc au 8. Donc au 8, juste un coup de verre, ça devrait suffire. Et un coup de jaune aussi. Attends. Non, non, pardon, c'était... il faut que tu fasses demi-tour. C'est, faut que je mette un coup de jaune et tu descends... descends là. Ok. Là, t'arrives au 8. Tac. Là tu peux descendre au 6 et au 6 tu seras arrivé au vert. Ok, bon bah alors à toi maintenant, descends. C'était du jaune, fallait me dire, je percutais pas. Excuse-moi. Hop, tu rentres dans le 3.
Ok, là j'ai un bleu avec le 4. Je peux monter jusqu'ici. Là on va se retrouver bloqué, c'est qu'il faut redonner un coup de bleu pour que tu montes. Et en fait, on peut pas. Ouais, mais du coup, moi j'ai un bleu. Alors attends, je fais ça. Ouais, mais moi je suis bloqué par du vert. Je crois. Rien de ce que j'ai là, du vert. Non, t'en as pas, je crois. Si, tout en haut, là où je suis, il y a du vert. Là. Du coup, t'es où? T'es là, t'es au 8. Arrête-toi, je te fais monter au 9. T'arrives au bleu, du coup. Ok. Et toi, t'es tout en haut, du coup. Mais là, tu m'as coincé. Oui, bah pardon, je me suis coincé aussi. Et là, il me manque un coup de bleu, en fait. Sauf que... Je peux faire ça. Ah, alors attends, non, je me suis planté. Il me manque pas un coup de bleu. Merde. Comment j'ai fait tout à l'heure pour être quasiment tout en haut? Ah oui, il faudrait que tu sois au 7 pour qu'il y ait le coup de bleu. Ah putain. Alors attends, le 9, on arrive ici. Ouais. Si, c'est jouable, c'est jouable. Reprends le 9. Il suffit d'un vert. Tu descends, tu vas reprendre la grande pente. Je cours au vert. Là, tu peux monter au 7. Eh oui, parce que toi, tu peux te débloquer tout seul en fait. Oui, bah t'es déjà débloqué toi. Ouais, c'est bon, ok. Bah faut que tu fasses un coup et que tu te redébloques pour toi après dans la foulée une fois que je suis en haut. Encore un coup. Ok, bien joué. Tu peux me rejoindre. Ok, il était original celui-là. Ouais, j'avoue, bien tricky comme il faut. Donc on arrive à la grande clé. C'est ça. Ok, très très bien. Alors, moi, je suis dans un... Je te vois, t'es au-dessus de moi. Comment dire, toi aussi t'es dans une espèce de salle ronde dans le néant. Ouais, je suis au-dessus de toi, regarde, on est bizarrement placés. Ah ouais, putain, d'accord. Alors, je suppose que le rond avec l'accordéon, c'est ce qu'on a déjà fait. Je sais pas si tu vois ça au-dessus d'une des pièces chez moi. Moi je vois une pièce, une des 5 pièces que t'as avec un accordéon. Ou alors c'est là où il faut aller. Ouais. Truc à moi. Je vois effectivement une pièce vide, celle où il y a personne, avec un accordéon qui flotte là. Je sais pas si c'est là qu'il faut aller. Bah écoute, ce que je propose, c'est qu'on va arrêter l'épisode là, de toute façon. Et puis, bah on se retrouve très vite pour la suite. Yes, on fait ça. Pendant ce temps-là, Dame Ned active des trucs mystérieux. Exactement. Allez, ciao ciao tout le monde, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la vue de Dame Ned. Parce que, bah mine de rien, je pense qu'il y a moyen de redécouvrir l'aventure. Ou l'inverse, si vous avez vu la vue de Dame Ned. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Bye bye tout le monde.